tous. Comme vous pouvez le voir, j'ai rangé toutes mes formes dans mon sac. La capacité de 120 litres. Sac Soloniac. Franchement, on peut en mettre beaucoup dedans. On peut en mettre 24 formes dedans. Avec mon filet de camouflage. Les GoPro que je peux mettre dedans aussi. Avec une grande poche. Vous voyez, on peut mettre soit les GoPro, soit les cartouches, soit les piquets. Donc là-dessus, il y a vraiment des élastiques pour accrocher. Vous voyez, les deux côtés. Ça, c'est vraiment très pratique. Une prise en main. Voilà, ça rend service quand on veut se déplacer, qu'on veut prendre les formes à fur et à mesure. Il y a aussi vraiment un grand renfort en dessous. Donc ça, c'est pas négligeable. Et l'avantage aussi, il y a une petite poche sur le parle devant où ça se relie. Vous voyez, il y a un piquet qui tombe dans le fond ou autre. Donc là, vous pouvez y accéder, le filet de camouflage en dessous. Donc voilà. Donc, moi je trouve, essayer, s'adopter en tenue camouflage. Il est super, super pratique. Et là, vous êtes parti pour la saison au corbeau. C'était au corbeau freux et à la corneille noire. Donc ça aura un petit champ de petits pois, donc je vous souhaite tous une bonne intersaison et puis bonne régulation. Et puis l'avantage de ce sac là, c'est que là c'est les corbeaux. Au mois d'août, si vous, si vous êtes sauvaginier, vous pouvez mettre des formes à canard. Et puis arriver à l'ouverture générale, hein, tout ce qui est forme pigeon et tout ça, vraiment très très pratique ce sac. Donc voilà, merci à tous.